Tokishin wa ogenki desu ka? Salut, ça va vous autres? Ça va? Ben c'est le fun. Ah, me regarder habillé de même, je pense que c'est assez évident que j'arrive du Texas. Non, sérieusement, j'ai décidé de renier la société occidentale. Adieu Petak, Big Mac et Cadillac. Bienvenue Toyota, Tempura et Kamasutra. 2 ans à me promener dans cette riche civilisation pour découvrir que dans ma vie antérieure, j'étais une très très grande princesse, oui. Princesse, c'est pas sûr, mais très très grande, c'est certain. Mon périple asiatique a commencé en Chine. Là-bas, je me suis lié d'amitié avec un sculpteur. C'était un sculpteur sur grains de riz, oui. Oui, oui, il faisait des petits personnages sur des grains de riz, oui. Il a essayé de faire Céline Dion sur un grain de riz, rendu à taille le grain fendu. Puis René Angélil l'actionné. Ensuite, je me suis déplacé vers le Japon, le pays du soleil levant. C'est extrêmement sensuel comme pays. Je peux vous dire qu'il n'y a pas juste le soleil qui lève. Là-bas, j'étais à l'emploi d'un lutteur de sumo, monsieur Moshimoto. 750 livres de bonté, j'aurais tout fait pour ce monsieur-là, moi. Je lui faisais des massages avant ses combats. À un moment donné, je le massais, puis là, il a bougé. Ils sont prêts à 6 pour me sortir la main d'un pli. Un beau matin, il est parti à la bicyclette, on l'a jamais revu. Je pars de la bicyclette. Et c'est là que j'ai découvert le yin et le yang. Le yin, ce serait notre côté féminin, et le yang, ce serait notre côté masculin. Mais, si on regarde bien, dans chacun des deux, il y a un petit peu de l'autre. Autrement dit, dans chaque homme, il y a un petit peu de femme, et dans chaque femme, il y a un petit peu d'homme. Oui, 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 un homme, ça pleure, et une femme, ça rote. Et c'est ça qu'on va essayer de découvrir ensemble ce soir, l'homme ou la femme qui sommeille en nous. Pour le temps de l'exercice, je vais vous demander de changer de nom. Vous allez prendre le féminin ou le masculin de votre nom. C'est quoi ton nouveau nom, toi? Véronique? Puis ton nom masculin, c'est? Sébastien? Tu comprends pas. T'as qu'à pas jouer. Va pisser t'as 10 minutes. Ben non, on t'accepte. OK, alors on va commencer l'exercice avec les femmes. Pourquoi les femmes? Parce qu'elles sont plus intelligentes. Faites-vous-en pas, les gars, vous avez un petit peu de femme en vous. Puis les femmes, il y a un petit peu d'hommes. Fait qu'on finit par se rejoindre, puis être aussi niaiseux l'un que l'autre. Alors, à mon signal, les femmes, vous allez crier le premier mot que l'homme qui sommeille en vous dirait. Comme par exemple, la semaine dernière, une femme a crié « Va me chercher une bière, ma toutoune. » Ça lui a fait du bien de le dire. Aujourd'hui, cette femme-là est beaucoup plus épanouie, d'accord? Alors, à mon signal, les femmes, c'est l'homme qui sommeille en vous qui parle. 1, 2, 3, go! Comment? Touche pas à mon char! C'est bien, ça sort, ça fait du bien, hein? Tu te sens-tu mieux? Tu vois, son homme s'est rendormi de suite. Hein? Mais c'est pas grave, ça a sorti l'espace d'un instant, puis ça fait du bien. On laisse encore une fois avec les femmes. 1, 2, 3, go! Comment? Tu penses-tu que c'est des vrais? J'ai jamais entendu ça. Des vrais quoi? Des tonnes de thé?
Bon, une dernière chance pour les femmes. Un, deux, trois, go. Comment? Qu'est-ce qu'elle dit? Quoi? J'y ferais pas mal. Tabarouette, il est pas loin, l'homme en toi, toi? Hein? J'ai l'impression qu'on te déménage la craque de place puis tu pars avec le frigidaire. J'y ferais pas mal. OK, on va l'essayer avec les hommes. Normalement, avec les hommes, c'est plus difficile parce que nous, les hommes, on a une grosse carapace, hein? C'est dur à accepter qu'on a une femme qui sommeille en nous. Tout le monde en a une, même toi, le bourru, en avant, là. T'es pas juste beau, t'es belle aussi. Belle grand fâche, toi. Il aime ça! Bon, OK, disons qu'on sépare la salle en deux pour les hommes. Une moitié ici, une moitié ici. On commence par ici. C'est la femme qui sommeille en vous qui parle. Un, deux, trois, go! J'ai mal à la tête! As-tu déjà pensé que c'est peut-être de ta faute? Enlève tes bas blancs, va de te coucher! OK, on laissait de ce côté-ci. Un, deux, trois, go! T'as pas fait de la vaisselle? Ben, elle a raison, fais-la. T'as-tu fini par la faire, ta vaisselle? Oui, bon, c'est bien, ça. Il est du cute, lui. OK. On laissait de ce côté-ci. OK. On le laissait de ce côté-ci. Un, deux, trois, go. Comment? Non, l'autre. L'autre dans le milieu, c'était quoi? Ça me fait-tu bien? C'est cute, hein? Il laisse aller sa féminité, puis envoie par là, puis il a l'air fier de ça, bravo! D'ailleurs, à Montréal, il y a une parade annuelle pour t'affirmer. Bon, OK, je vous sens plus libéré que tout à l'heure. Je le vois dans vos yeux. Mais je vous recommande de refaire l'exercice à la maison. Changez de sexe une fois de temps en temps. Ça te ferait bien des bonilons, toi. En terminant, tout ce que je peux vous dire, c'est que la femme qui sommeille en moi, non seulement dort pas, mais a pris bien du café, mais pas couchable. Bye-bye.